Pour la première fois sous la Ve République, l'Assemblée nationale sera profondément renouvelée, plus diverse, plus jeune, forte de parcours professionnels, associatifs et politiques variés. Mais surtout, et permettez-moi de m'en réjouir à titre personnel, elle fera un bond historique pour la représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Nous accueillons cette victoire avec beaucoup de lucidité et de responsabilité, et surtout d'humilité. La faible participation électorale, qui s'est traduite aussi par la moindre mobilisation de nos électeurs, témoigne du travail qui nous attend aux côtés de nos élus, du Premier ministre et du gouvernement, pour mobiliser, rassembler et réconcilier.